Alors, en guise d'introduction, on peut dire que l'environnement économique et technologique des entreprises est très évolutif et très challengeant et changeant aussi, et que l'environnement qui est matérialisé ou bien qui est schématisé par un environnement économique et aussi un environnement technologique, on a remarqué dernièrement, ces dernières années, qu'il y a une évolution, je dirais, des théories et de l'organisation des entreprises en passant de l'approche rationnelle à l'approche décisionnelle et sociologique. C'est ce qu'on va voir en détail. Alors, l'environnement de l'entreprise. Comme je vous ai dit, on constate actuellement une évolution d'une économie de consommation et de production, que ce soit par rapport à la demande qui est devenue inconstante, mais aussi hétérogène. Mais aussi, il y a le facteur de la mondialisation des échanges qui est caractérisé par une stabilité et une complexité du marché, l'hostilité du marché aussi et bien évidemment l'hétérogénéité de ce dernier. Le contrôle de gestion, au sens d'une maîtrise exercée sur l'organisation, se traduit par une orientation des actions des individus vers les objectifs déterminés, le contrôle effectif sur le déroulement de l'activité et de ses process, mais aussi l'évaluation des résultats obtenus, ainsi que le système de contrôle lui-même. Et donc, on peut dire que le contrôleur de gestion implique va de la préparation de la décision à son évaluation. Il implique par conséquent une connaissance profonde de l'organisation, des rouages de la décision, des techniques et des supports d'information, des méthodes de travail appliquées dans l'entreprise et bien évidemment et surtout de l'homme. Le contrôle s'intègre dans le système d'information des organisations et doit servir à connaître, je dirais, l'environnement et les ressources internes afin de déterminer la stratégie, les objectifs organisationnels. Maintenant, passons à l'évolution des théories des organisations. Donc, on est parti sur une approche, OST, avec l'approche rationnelle de Taylor et de Weber, en passant aux approches psychologiques et socio-économiques avec XY, Mayo, McGregor, Maslow, Herzberg, Truss et Emery. Et passant par les néoclassiques et dans les années 1900-1920 avec l'approche néoclassique et la décentralisation contrôlée ou coordonnée avec Sloan, l'approche systémique avec Von et Mélez, et enfin l'approche décisionnelle et sociologique avec Crozier, Sierre et March. Je m'excuse pour la prononciation des noms. Donc ça, je pense que c'est pas le but de notre présentation, donc je vous laisse le soin d'approfondir un peu sur les différentes approches. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir définir le contrôle de gestion qui n'est pas uniquement limité à la vérification, mais au sens, anglo-saxon, du terme, le contrôle doit être entendu comme étant l'action de maîtriser, de piloter, c'est-à-dire comme le fait de dominer ou tout le moins d'avoir une certaine emprise sur un système. La maîtrise dans ce sens ne s'exerce pas seulement à un niveau spécifique, mais peut-être et doit s'étendre à l'organisation, c'est-à-dire c'est devenu un acte de management. Et ça, on l'observe à travers les points de contrôle, de vérification, le management, le process, la finalisation, le pilotage et l'évaluation. C'est le PDCA en quelque sorte. Donc, qu'est-ce que le contrôle de gestion ? Pour certains, il s'agit de faire des économies, d'atteindre l'efficience par la surveillance. Pour d'autres,
Il s'agit d'abord d'être efficace et de piloter au mieux l'organisation pour lui faire atteindre ses objectifs. Bien évidemment, il y a plusieurs définitions que je vous laisse le soin d'aller checker sur Internet pour plus de détails. Dans la mise en œuvre des stratégies, le contrôle de gestion vise trois axes. Il y a l'efficacité, elle se définit par rapport à un objectif donné, elle indique aussi à quel point l'objectif est atteint. Et on peut dire que l'efficacité est complètement indépendante du coût. L'évaluation, je dirais, de l'efficacité ne tient aucunement compte des frais de gestion, par exemple, ni des coûts de production. Prenons par exemple l'exemple d'un système de production qui doit fabriquer 10 000 unités par semaine d'une qualité donnée et considéré comme efficace s'il respecte cette norme, bien cet objectif, qu'il atteint cet objectif. Par rapport à l'efficience, l'efficience représente la capacité de minimiser les moyens mis en œuvre pour atteindre un objectif. L'efficience peut généralement se mesurer à l'aide d'un ratio, c'est-à-dire un rapport entre deux grandeurs, productivité, qualité, disponibilité machine, etc. Donc un système de production est efficient, par exemple, s'il produit un nombre donné d'unités d'une qualité donnée au moindre coût. S'il produit au moindre coût mais sans tenir en compte de la qualité, il est économique mais pas forcément efficient. C'est ça ce qui fait la différence entre économique et efficient. Donc, et enfin, l'axe économie. On dit que c'est économique toute acquisition de ressources qui correspond aux critères suivants. Moindre coût, quantité et qualité conforme à la norme établie, moment et lieu opportun. Donc l'économie touche l'acquisition des ressources, l'efficience et leur transformation. Donc quel est le rôle du contrôle de gestion? Il faut tout d'abord différencier entre deux optiques. Il y a l'optique traditionnelle et l'optique, je dirais, rénovée. Donc pour l'optique traditionnelle, le contrôle de gestion peut être exercé dans une vision de vérification comptable et ou de maîtrise de la gestion. Dans ce cadre, les tâches dévolues au contrôleur de gestion sont les suivantes. Concevoir le système d'information en collaboration avec le SI. Contribuer à la conception de la structure de l'entreprise sur la base d'une décentralisation effective de l'autorité. Faire fonctionner effectivement le système d'information, effectuer des analyses économiques afin d'améliorer la rentabilité de l'organisation, et enfin traduire en objectifs et en budget les propositions issues, je dirais, des analyses après leurs adoptions par la direction générale. Dans une optique rénovée, on peut dire le contrôle de gestion trouve une nouvelle vocation et c'est, je dirais, l'optique du pilotage de leur performance organisationnelle. Dans ce concept, le rôle du contrôleur de gestion se développe de plus en plus vers le conseil. En outre, la planification financière, de l'évaluation des résultats, de la production de l'information et de la collecte de l'enregistrement de données, il lui revient de conseiller et de promouvoir les nouveaux outils de gestion qu'on peut résumer comme suit. Donc, la gestion par processus ou par activité, la réingénierie organisationnelle et l'apprentissage organisationnel dans un cadre ou dans une démarche qualité totale. Autrement dit, le contrôleur de gestion est le gardien du temple. Il veille à la cohérence des méthodes, chiffres, les arbitrages en matière de prix de session interne, par exemple. Il garantit le suivi des actions engagées par service, par fonction, bien par process.
Il est amené à superviser le budget et analyser la cohérence des chiffres fournis par l'ensemble des parties prenantes et des process, tout en allant du chiffre d'affaires jusqu'à la partie gérée plan de trésorerie prévisionnel, tout en s'assurant du respect des directives reçues et tout en assurant aussi la cohérence entre le budget et la vision gérée ou bien les objectifs de l'entreprise. Il explique la formation du résultat par l'analyse des coûts, la détérioration de la marge par service, par activité, gamme de produits, etc. Et enfin, il met en place les outils de pilotage dont la fonction est de permettre aux opérationnels de suivre leurs activités et leurs performances. Ça, ce qui est très important, c'est le fait d'arriver, je dirais, à mettre en place un certain nombre d'outils tels que des tableaux de bord de gestion par process ou bien par service, qui vont permettre dans un premier temps d'avoir un aperçu sur l'activité, mais aussi de faire un suivi, d'assurer un suivi sur l'activité et de veiller à la performance, tout en tenant en considération la partie cible ou bien la partie objectif. Autrement dit, le contrôleur de gestion est le gardien du temple. Encore une fois, il explore les paramètres de l'organisation, puis dans la boîte à outils, produit et interprète les chiffres clés de l'activité. C'est lui qui mène des analyses transversales, calcule les écarts entre les performances prévisionnelles telles qu'elles ressortent de la stratégie définie et mise en œuvre. C'est un communicateur et pédagogue à la fois, au service de la performance. Il anime une équipe et des groupes de réflexion. Il forme les utilisateurs, pardon, à l'exploitation des documents. Apporte une aide méthodologique dans le choix de nouveaux outils. Ses actions de communication et de formation des opérationnels permettent de faire accepter les divers changements et les nouveaux outils. Donc c'est à lui de contribuer également à la lisibilité des objectifs à tous les niveaux de la hiérarchie et de créer une certaine cohérence entre les objectifs individuels et les objectifs de l'établissement bien de l'entreprise. Donc il n'est pas seulement réactif, mais proactif, jouant ainsi un rôle d'anticipation et pratiquant une veille technologique sur le management. Un benchmarking des méthodes en se comparant aux pratiques des meilleures entreprises, qu'elles soient concurrentes ou non, ce qui autorise une validation externe des objectifs. Donc, comme vous savez, les ressources de l'entreprise, on a des biens, du capital et des hommes mis en œuvre. Aujourd'hui, l'information est incontestablement une ressource vitale de l'entreprise. De plus en plus, la compétitivité de l'entreprise et sa capacité de mise en œuvre des stratégies sont en effet étroitement liées à son système d'information pour les raisons suivantes. Déjà, il y a le contenu en information des processus de production qui est essentiel à l'amélioration de la qualité et la rapidité de réaction qui est plus que jamais un facteur essentiel de l'aptitude de l'entreprise à faire face à la concurrence. Or, cette aptitude est pour une bonne part fonction de la fluidité, de la fiabilité et de la flexibilité des systèmes d'information de gestion. Le système d'information a trois finalités essentielles. Comme vous voyez sur le schéma, il y a la partie contrôle. Je dirais le contrôle de gestion est un sous-système informationnel au service du système de décision. Il y a la coordination et il y a la décision. Donc, il existe différents systèmes d'information qui interviennent à différents niveaux de décision. On a un système d'information du contrôle opérationnel, un système d'information du contrôle stratégique et un système d'information sur l'environnement, je dirais, dans sa globalité. Le système d'information doit prendre plusieurs formes en fonction du niveau des besoins responsables et des acteurs de l'entreprise. Donc, on a un système d'information stratégique pour les décideurs qui peut prendre la forme d'outils classiques de planification et de tableaux de bord stratégiques. Il peut également prendre la forme plus avancée de veille stratégique destinée à permettre
l'anticipation des tendances technologiques, économiques, sociologiques des marchés. Système de l'information, un système d'information pour les responsables opérationnels qui se traduit par la mise en place d'instruments de prévision budgétaire afin de les aider à élaborer leurs propres objectifs, définir les moyens nécessaires et tester les hypothèses de travail. Et on a enfin un système d'information pour les opérationnels destiné à leur permettre de suivre de manière permanente leurs performances et d'infléchir éventuellement leurs actions d'analyse et les actions réalisées. Le système d'information, en résumé, vise à fournir des informations complètes, pertinentes et précises sur la performance et le fonctionnement de l'organisation, faciliter l'analyse des données ainsi obtenues en vue d'améliorer le processus de décision à tous les niveaux de gestion. Le contrôle de gestion a un champ d'intervention qui est très élargi. Donc un contrôleur de gestion, ou bien un management controller, il est construit pour contribuer, pour aider et pour faciliter un peu la tâche du manager à maîtriser son domaine de responsabilité et à avoir une visibilité, je dirais, globale et précise en même temps sur l'activité ou bien sur son domaine de responsabilité. Donc ceci à travers la définition et l'atteinte des objectifs à tracer, à définir, et aussi les actions à mettre en place et les actions à déléguer aux autres personnes de l'organisation. La place et l'exercice du contrôle de gestion dans une entreprise. Donc, quand vous savez le rôle et le rôle du contrôleur de gestion, il est très vaste et très élargi. Son rôle, comme on l'a traité dans la deuxième vidéo, et son influence sur le management semble sensiblement s'accroître au sein des organisations qui sont gérées de façon matricielle ou bien par process. D'ailleurs, c'est l'élément principal, je dirais, qui permet une bonne insertion, une bonne intégration du service, c'est bien évidemment ce type d'organisation, qu'il soit fonctionnel, processus ou bien matriciel. Donc il permet déjà d'informer les décideurs pour aider aux décisions et piloter l'action. Il permet de gérer la performance, soit par la délégation du couple objectif moyen, soit par l'optimisation du couple valeur-coût. Il a aussi pour but d'aider à réguler le comportement des acteurs, à coordonner et à gérer le contrôle organisationnel, outil d'aide à la décision et au pilotage de l'action. Il a aussi comme rôle de gérer, je dirais, les performances et suivre les performances et le changement, mise en place des outils d'animation et de coordination aussi. Donc il est positionné comme interface entre le contrôle stratégique et le contrôle opérationnel. Le contrôle vérification / sanction a posteriori devient un contrôle suivi, mais surtout conseil. Toujours dans la place, l'exercice du contrôle de gestion dans une entreprise. Donc, on peut trouver le contrôle de gestion sous plusieurs modèles de rattachement, mais les plus souvent, on a un rattachement soit à la direction générale directement, soit à la direction financière, conçu ou bien schématisé avec un rattachement lié au directeur général ou au directeur financier. Donc le contrôle de gestion et la formalisation de l'organisation. Donc là, on parle de degré de précision. On a un mode de spécialisation, contrôle de gestion, c'est-à-dire par activité, par centre de responsabilité, par gamme de produits, etc. Et on a un mode de coordination et contrôle de gestion. C'est par rapport au degré de centralisation des activités. Et là, on parle aussi
de tâches informelles ou bien de tendances actuelles. C'est là où on traite plusieurs projets, on travaille sur plusieurs projets avec une modélisation assez transversale. Donc pour les types du contrôle, pardon, donc pour les types du contrôle de gestion, de contrôle en général dans les organisations, donc il y a quatre. Par la suite, on va les détailler. Donc il y a le contrôle a priori ou a posteriori, il y a le contrôle préventif, il y a le contrôle d'exécution et enfin le contrôle budgétaire classique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau module qui s'intitule la gestion budgétaire. Donc, on va traiter l'élaboration des budgets et le contrôle budgétaire. Donc, les objectifs assignés à ce cours sont définir le budget et le système budgétaire et ses avantages pour une organisation, placer le système budgétaire dans la démarche de planification de l'organisation, animer le système budgétaire par la définition des centres de responsabilité et la mise en place d'une procédure budgétaire. Et enfin, élaborer les différents budgets de l'entreprise, budget d'exploitation, d'investissement, bilan et CPC prévisionnel. Peu d'entreprises planifient leur faillite, mais beaucoup d'entreprises défaillantes ont omis de planifier. C'est pourquoi il faut faudra par la suite prévoir les événements au lieu de les subir, se doter d'une ligne d'action au lieu de procéder au coup par coup, passer d'un système où les résultats sont constatés, pardon, à un système où les résultats sont programmés, pour enfin se retrouver avec une feuille de route de l'entreprise et un système de gestion prévisionnelle, ce qu'on appelle la gestion budgétaire. Un système budgétaire est un système de gestion prévisionnelle à court terme, comprenant les budgets et un process de contrôle budgétaire. Donc, c'est un mode de gestion consistant à traduire en programme d'action chiffré, appelé budget, les décisions prises par la direction avec la participation des responsables. La gestion budgétaire recouvre deux étapes en fait. Il y a l'étape de l'établissement, la négociation et la détermination des budgets, et la deuxième étape qui s'intitule le contrôle budgétaire avec le calcul et l'analyse des écarts et la recherche des actions correctives. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un budget? Un budget est une affectation prévisionnelle quantifiée au centre de responsabilité de l'entreprise, d'objectifs et de moyens pour une période déterminée, limitée au court terme. Un budget peut être considéré comme un ensemble cohérent d'hypothèses. Il représente l'expression détaillée et coordonnée des éléments chiffrés représentant la première année d'exécution du plan opérationnel. Ça, vous pouvez le voir dans les vidéos précédentes. Quand on parlait du plan opérationnel, de la stratégie et des budgets. Donc, quels sont les types de budgets? Bon, les types de budgets sont liés au cycle d'exploitation de l'entreprise. C'est les achats, la production, les ventes, budget et frais généraux. Il y a des budgets d'investissement qui prévoient l'engagement à court terme du plan d'investissement. Et enfin, le budget général de trésorerie qui récapitule les flux d'encaissement et des décaissements prévus. Le contrôle budgétaire est une procédure qui permet de dégager les écarts entre les résultats réels et les résultats prévus dans un centre de responsabilité, donc rechercher les causes et d'instaurer les mesures correctives jugées souhaitables. Donc, comme vous voyez sur cette figure, on a la comptabilité analytique qui permet d'identifier les réalisations de l'entreprise ou bien du centre de responsabilité. Et le plan opérationnel dont découle le budget qui permet de nous donner quelles sont les prévisions budgétaires. Bien évidemment, en identifiant les écarts, on peut sélectionner des écarts significatifs. Il y a plusieurs méthodes, prenant l'exemple de Pareto, les 20-80. Après, on recherche les causes et enfin, soit on va ajuster les prévisions, soit on va porter des actions correctives sur
notre activité ou bien sur la partie opérationnelle. Donc, passons maintenant aux objectifs de la gestion budgétaire. Il existe deux approches au niveau des budgets. Un budget est-il imposé ou négocié? Quand le budget est imposé, c'est la direction, pardon, qui assigne à chaque responsable ses objectifs et les moyens de les atteindre. Laisser peu d'autonomie aux responsables budgétaires et une place mineure à leur activité. Par contre, un budget est négocié lorsque le responsable budgétaire peut fixer ses propres objectifs et détermine les moyens de les atteindre. Il est parfois difficile de concilier l'intérêt général et les précautions individuelles. Donc, si on compare entre les deux approches, pour le système imposé, ses avantages, c'est que la procédure, pardon, est uniforme avec des responsabilités dégagées. Alors que parmi ces inconvénients, ils ont une procédure qui est lourde et figée, standard, et avec une responsabilité dégagée. Ça peut être aussi un inconvénient. En ce qui concerne le système négocié, il est adaptable, souple, avec une implication réelle et permanente du responsable. Et parmi ces inconvénients, c'est qu'il est difficile à maîtriser, il n'est pas standardisé. Donc, c'est un schéma qui est un peu récapitulatif et qui met en exergue le rôle du contrôle de gestion en tant que transporteur, ou bien c'est lui qui présente la navette de l'information entre la gestion opérationnelle et la planification stratégique. Donc c'est lui qui prend en charge la déclinaison déjà de la stratégie sous forme de plan d'action, bien évidemment en concertation avec les responsables d'unité. Et par la suite, quand on définit les plans d'action, c'est lui qui va prendre en charge la gestion au jour le jour et le suivi au jour de la gestion opérationnelle, donc avec les exécutants. Et c'est là vraiment où on peut ressentir le rôle du contrôle de gestion. En tant que stratège, celui qui participe à la validation des objectifs et de l'objectif général de l'entreprise avec les hypothèses, et celui aussi qui décline cette stratégie sous forme de plan d'action en collaboration avec les responsables d'unité et met en place des plans d'action opérationnels au niveau de chaque département, chaque service. Donc, on revient à la stratégie d'une entreprise. Donc, généralement, une stratégie peut se définir comme un ensemble d'actions organisées en vue d'atteindre des objectifs par rapport à un environnement. Elle se doit d'assurer la pérennité de l'organisation tout en respectant un niveau de performance satisfaisant pour ses différents partenaires, dirigeants, actionnaires, personnel, État, etc. Donc, sa définition s'appuie sur une étude des forces et des faiblesses. Donc, ça vous rappelle le SWOT de l'entreprise qui doit déboucher sur un diagnostic tant externe qu'interne. Donc, on a le diagnostic externe avec les opportunités et les menaces que représente l'environnement et aussi le diagnostic interne qui répertorie les atouts et les faiblesses de l'organisation. Donc, cette évaluation a pour objet la sélection des facteurs clés de succès, les FCS. On a par exemple le positionnement en termes de produits, le savoir-faire technologique, la qualité des produits, le respect des délais. Par exemple, j'ai travaillé en collaboration avec la direction financière de Doha, et parmi eux, Doha c'est un acteur c'est une entreprise qui opère dans le secteur de l'immobilier. Et pour eux, le facteur clé de succès qui a duré plus de 5 ans, c'était le guichet unique. Et c'est là vraiment où on peut acheter, prendre un crédit et aussi faire tout ce qui est paperasse et légalisation au sein du siège de Doha. Donc on peut faire tout le process
et généralisée au niveau du siège. Donc on n'a pas besoin de se déplacer pour les banques et tout. Et c'était vraiment un facteur clé de succès qui permet le respect des délais, une qualité de service, une qualité, pardon, de service qui n'est incomparable par rapport aux concurrents. Et donc voilà, donc ça a duré plus de 5 ans. Donc revenons à la définition du SWOT. Donc l'évaluation SWOT dépend à la fois de l'entreprise, mais aussi sur son secteur d'activité ou encore des lieux géographiques où elle exerce. Les facteurs ainsi retenus vont vous permettre d'asseoir la stratégie d'une entreprise en définissant les ensembles de marchés, produits, technologies sur lesquels elle entend assurer son développement futur. Donc l'ensemble de ces choix sont alors repris dans un document qui servira de référence. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite et qui s'intitule le plan stratégique. Donc le plan stratégique reprend les points clés de la stratégie, à savoir le marché, produits, technologies de l'entreprise, les objectifs de cette dernière, que ce soit quantitatif ou qualitatif, quels sont les buts quantifiés, par exemple un pourcentage de part de marché, un pourcentage de chiffre d'affaires, quels sont les moyens et quels sont les moyens pour les atteindre, pour les atteindre, pardon. Donc c'est la croissance interne, externe, zone géographique à privilégier, une différenciation par prix, une différenciation du coût, etc., etc. Donc il retrace les différentes étapes du devenir de l'entreprise pour les 5-7 ans à venir. Là, vous allez vous rendre compte que lors de la première diapositive, j'ai mis entre 5 et 10 ans, et là, c'est 5-7 ans. Ceci pour vous dire que les horizons diffèrent d'une entreprise aussi à une autre. On peut, dans une entreprise qui opère dans le secteur IT, on ne peut pas se projeter sur un horizon de 10 ans quand même, parce que la technologie change et c'est très évolutif et c'est très 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 changeant qu'on ne peut pas se fixer des objectifs qui dépassent les 5 ans. Et c'est là où donc on a commencé par dire que le contrôle de gestion, il dépend en tant qu'outil ou bien en tant que système, il dépend de l'entreprise et de plusieurs paramètres. Donc, ayant été élaboré à la suite d'une étude précise des forces et des faiblesses de l'entreprise et son environnement, le plan stratégique intègre les notions souhaitables dans un ensemble cohérent. Sous cet aspect, il différencie complètement de la prospective qui, à mon sens, imagine le futur et dont l'horizon est beaucoup plus lointain. Donc, exprimant les grandes lignes d'un plan d'action qui s'étend sur plusieurs années, sa forme est variée et les objectifs peu détaillés. Ce plan est élaboré par la direction générale avec confrontation des responsables de chaque grande fonction de l'entreprise. Comme tout programme d'action, il doit être porté à la connaissance des responsables des unités décentralisées, puisqu'il doit servir des cadres à leurs actions et leur permettre une telle déclinaison et des propositions de mise en œuvre qui seront intégrées dans le plan opérationnel. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une petite séance de formation sur le contrôle de gestion et bien précisément la gestion prévisionnelle. Donc, tout d'abord, on commence par une petite présentation du contrôle de gestion, définition, pardon. Donc, c'est un process par lequel l'entreprise influence les membres de l'organisation afin de mettre en œuvre des stratégies de manière efficace et efficiente. Et là, ça nous fait rappeler le triangle objectif, résultat et moyens mobilisés, tout en gardant les trois éléments de base qui permettent une performance opérationnelle, à savoir l'efficacité, la pertinence et l'efficience. Donc, le contrôle de gestion est conçu pour maîtriser la gestion de l'entreprise. C'est-à-dire, on parle surtout de prévoir, mesurer et contrôler les performances. Donc, il faut vraiment définir le contrôle de gestion, pas autant qu'un moyen de contrôle, mais aussi, mais surtout, surtout, de maîtrise des performances. Par la suite, donc, on peut résumer la gestion prévisionnelle par trois verbes, à savoir prévoir, anticiper et évaluer.
Et là, ça relève aussi de la ronde des mines que vous connaissez tous, donc c'est la PDCA. Et c'est là vraiment où intervient le contrôle de gestion dans l'étape planification et surtout l'analyse des résultats. Il faut prendre en considération aussi que le contrôle de gestion change d'une entreprise à une autre et il doit être adapté au cadre spécifique de chaque entreprise. Tout dépend de sa structure, de sa culture, stratégie, historique, s'il s'agit d'une PME ou bien une TPE, multinationale, entreprise familiale, etc., etc. Donc, dans un environnement décentralisé, le contrôle de gestion se fait au niveau de chaque département, au niveau global et aussi au niveau global du siège de la société. Donc on peut avoir un département ou bien toute une direction de contrôle de gestion. Il est réparti entre un contrôle de gestion opérationnel et un contrôle de gestion stratégique. Donc maintenant on parle de la planification et la stratégie. La démarche prévisionnelle budgétaire, c'est-à-dire l'élaboration des plans et des budgets, elle a pour but d'identifier des stratégies et des plans d'action nouveaux qui sont vraiment nécessaires pour obtenir de nouvelles performances. Si l'entreprise veut atteindre une performance, un niveau de performance supérieur à l'état actuel, eh ben, elle doit identifier des stratégies, des plans d'action qui vont permettre cette évolution et cette performance. Par la suite, c'est à l'entreprise de valider la performance des orientations choisies. Et après, on peut fixer des objectifs à atteindre et d'inciter le personnel à les réaliser. Donc maintenant qu'on a validé la performance et les orientations stratégiques choisies dans le cadre d'une stratégie et d'un plan d'action global de l'entreprise, on peut fixer des objectifs et décliner ces stratégies au niveau, je dirais, personnel. Et c'est là vraiment où on parle de planification des plans d'action. Par la suite, donc la dernière étape, c'est de comparer les réalisations aux prévisions afin de prendre des décisions, comme je vous ai dit, correctives et remettre en cause éventuellement les hypothèses pour tirer des leçons pour l'avenir. Donc une fois on a le PD, après il y a le check de la route de Deming et ça là vraiment on fait une analyse sur l'état actuel et notre cible et s'il y a un écart, ben, il faut prendre des décisions, il faut mettre en place des actions correctives et correctrices afin de s'aligner avec les objectifs qui sont déjà tracés. Comme vous savez, il existe dans un système de planification des entreprises trois niveaux. Donc, dans une entreprise, la planification peut être considérée comme un système de données sur son futur, tel qu'il est désiré par les responsables de la direction générale. Cette planification s'organise comme un ensemble d'informations prévisionnelles regroupées dans des plans à horizon de plus en plus restreint. Dans un process de planification complet, on dénombre les trois niveaux de planification suivants, à savoir le plan stratégique qui définit la vocation, la mission et l'objectif général, je dirais, de l'entreprise. Sur un horizon de 5 à 10 ans. Après, il y a le plan opérationnel, schématisé entre trois plans, un plan de trésorerie, un plan de résultats prévisionnels et un plan d'investissement. Et ça représente le triangle si vous analysez un peu les trois éléments. Donc, c'est dans un horizon de 2 à 5 ans. Donc, on essaie de décliner l'objectif général sous forme de plan opérationnel. Et par la suite, ben, il y a le budget, c'est une planification annuelle, et ça là on trouve le budget des résultats prévisionnels, le CPC prévisionnel, le budget de trésorerie et aussi le budget d'investissement lié à la performance ciblée dans le cadre du budget résultats prévisionnels. Et bien évidemment, comme je vous ai dit, c'est dans un horizon de 1 an. Par la suite, et pour analyser, pour maîtriser cette performance et faire le suivi, ben, il y a des tableaux de bord qu'on peut les faire quotidiennement, hebdomadaires, mensuels. Donc, c'est selon, comme je vous ai dit, l'importance de l'information
mais surtout le cadre général de l'entreprise, sa structure, son historique et tout. Et bien évidemment, il y a d'autres éléments de base et d'autres fournisseurs d'informations, à savoir la comptabilité générale, compte analytique, et aussi le contrôle budgétaire qui compare entre les réalisations et les objectifs. Tout d'abord, il faut commencer par une petite définition. Donc, qu'est-ce qu'un contrôleur de gestion? Normalement, c'est une personne qui fournit à sa direction le résultat de ses analyses économiques et financières nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique de l'entreprise ou la division à laquelle il est rattaché. Parce qu'on a différents rattachements, peut-être rattaché à un responsable contrôle de gestion qui est rattaché au directeur financier, on peut être rattaché au groupe, comme on peut être rattaché vraiment à une division, par exemple direction commerciale ou autre. En cela, il accompagne le responsable opérationnel dans la gestion de l'activité et la prise de décision. Pour un contrôleur de gestion, il y a plusieurs appellations, que ce soit des appellations françaises ou anglaises. Donc, il y a le contrôleur de gestion commerciale qui chapeaute, ou bien qui prend en charge la partie, tout ce qui est commercial, tout ce qui est backlog et contrôle de gestion commerciale. Il y a le contrôleur de gestion industrielle avec la maintenance, production, etc. Il y a le cost killer ou le contrôleur de gestion en anglais. Il y a le cost controller. Corporate control, quand il s'agit d'un groupe ou d'un siège regroupant plusieurs filiales. Contrôleur budgétaire, contrôleur financier, cadre de gestion, c'est surtout dans le cadre des hôpitaux, tout ce qui est administratif et établissement public. Et il y a l'analyse de gestion. Donc, les principales missions d'un contrôleur de gestion sont les suivantes. Tout d'abord, il y a la partie ou bien l'axe élaboration des procédures et outils de gestion. Donc, il est amené à élaborer et mettre en place les outils de reporting destinés à la direction générale à travers l'élaboration et la mise en place d'un certain nombre d'indicateurs de performance, de résultats, d'efficacité, etc. Ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Il est amené à définir les principales orientations des contrôles et indicateurs à mettre en place et le cadre du reporting destiné à la direction générale. Il est amené à concevoir des tableaux de bord, que ce soit hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel ou selon des périodicités différentes. Il met en place et améliore les procédures de gestion et d'optimisation des flux d'informations financières. Et enfin, il veille au respect des procédures. Par la suite, il y a l'axe prévision. Donc, il est amené à faire un travail sur des budgets, à réaliser des. À, il est censé participer avec la direction générale à la définition des objectifs et la déclinaison de ces derniers, pardon, en des plans stratégiques et des plans adaptés à chaque division d'entreprise. Le contrôleur de gestion doit réaliser des études économiques et financières selon le besoin de la direction générale, que ce soit pour des décisions d'investissement ou des décisions de financement. Il est amené à élaborer le plan de trésorerie, je m'excuse pour cette erreur, donc à moyen terme. Et il est censé aussi établir des prévisions de fin d'année sur la base des budgets corrigés des événements de la période en cours et faire procéder à des forecastings, je dirais, et d'actualisation du budget à chaque fois on a des événements qui peuvent impacter notre budget. Et il doit aussi construire les principaux états financiers, que ce soit sur 3, 5 ans, voire même 10 ans, en projetant des résultats actuels de l'entreprise, les estimations de l'année en cours et les objectifs stratégiques définis par la direction générale. En parallèle, toujours dans le cadre de la supervision, contrôle et clôture des comptes, donc le contrôleur de gestion, parmi ses missions, c'est d'effectuer les rapprochements entre les états de comptabilité et les résultats provenant des reportings et tableaux de bord, contrôler les opérations d'inventaire des marchandises et produits finis par catégorie, fournir à la comptabilité les éléments extra-comptables intégrés dans les résultats pour une meilleure conformité à la réalité économique de l'activité, surtout quand il s'agit du CPC, des comptes de résultats mensuels. Dans le cadre de l'amélioration des performances de l'entreprise, le contrôleur de gestion
se doit d'anticiper les dérives, mener des actions correctrices et aussi être le chef de projet pour tout plan d'action à mettre en place dans ce sens. Il contrôle que ces actions correctrices, voilà, aient bien les effets escomptés et détermine enfin les zones d'optimisation et voilà, aide les responsables opérationnels à réaliser les économies, que ce soit par rapport à la production, des optimisations de coûts par rapport à la maintenance, etc. Parmi les axes, il y a la mise en place ou optimisation du système d'information. Le système d'information est censé être l'un des piliers fondamentaux sur lesquels repose le travail d'un contrôleur de gestion. Donc, parmi ses missions dans ce sens, il y a la participation à la mise en place de certains modules de RP dans la définition des flux d'information, les fiches de recueil. C'est dans cette étape qu'on travaille aussi sur le paramétrage et tout ce qui est arbre analytique. Et aussi l'animation des réunions projet concernant les tableaux de bord et l'information financière. Parlons maintenant des compétences et des formations que je dirais que le contrôleur de gestion doit avoir pour mener à bien ses fonctions et ses missions. Donc, parmi les compétences techniques requises, il y a la maîtrise de l'utilisation des systèmes d'information, que ce soit des tableurs, Excel, Access, etc., des bases de données ou bien les ERP qui sont très connus, soit des ERP pour la comptabilité, soit des ERP par exemple comme SAP et j'en passe. Il doit avoir une bonne culture comptable qui peut s'acquérir dans l'entreprise au fur et à mesure. Et il doit avoir des compétences dans tout ce qui est analyse de données, gestion de données, et une bonne connaissance aussi des métiers et du fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il doit avoir, je dirais, une certaine polyvalence qui va lui permettre d'anticiper des actions et d'appréhender en quelque sorte les missions de chaque division, chaque département. Parmi les traits de personnalité d'un contrôleur de gestion, c'est l'aisance relationnelle pour dialoguer avec les différents interlocuteurs, que ce soit des collaborateurs, des collègues ou même en externe. Il doit avoir une disponibilité et forte capacité de travail, d'organisation et de planification des tâches, puisqu'il est amené à travailler avec plusieurs personnes et aussi gérer plusieurs missions en même temps. Parmi les traits aussi, il y a l'adaptabilité face à l'évolution régulière des technologies et des normes, des procédures, l'esprit de synthèse pour conceptualiser rapidement des problèmes et leurs solutions, en utilisant ou bien en mettant en œuvre les méthodes de résolution des problèmes. Il a comme trait la curiosité et l'esprit critique pour l'analyse des chiffres. Et aussi, et en fin de compte, il doit être persuasif, avec un savoir-faire, d'entendre son point de vue face aux responsables fonctionnels et opérationnels. Pour tout ce qui est formation, je dirais, c'est tout dépend de la taille de l'entreprise et plusieurs autres, je dirais, d'autres paramètres. Mais sinon, je peux dire que un contrôleur de gestion doit avoir un minimum de bac plus 4, bac plus 5. Au sein d'une école de commerce, toute école avec comme spécialisation les finances, contrôle de gestion, audit, management et gestion des projets, ou bien Master 2 spécialité contrôle de gestion, ou ce qu'on connaît tous, le Master CCA, donc c'est le Master en comptabilité, contrôle, audit, et bien d'autres diplômes, toujours avec comme spécialité finance, gestion d'entreprise. Maintenant, arrivons au salaire. Donc, pour un débutant, j'irai au Maroc, c'est de 6 000 dirhams net à 9 000 dirhams net. De 1 an à 3 ans, ça varie de 8 000 à 13 000. Ça tout dépend, je dirais, de la taille d'entreprise et de son rattachement et du secteur d'activité aussi. Et de 3 ans à 5 ans, ça varie entre 11 000 dirhams et 18 000 dirhams. J'ai gardé le débutant au niveau de chaque ligne, puisqu'on doit
toujours garder l'esprit qu'on est toujours débutant, surtout quand on n'a pas encore dépassé les 5 ans d'expérience en tant que contrôleur de gestion. C'est un secteur d'activité ou bien c'est un métier qui est très très polyvalent et qui est très différencié. Tout dépend du secteur d'activité de l'entreprise, tout dépend du rattachement hiérarchique et aussi de la taille de l'entreprise et sa culture. Pour l'évolution professionnelle, on peut avoir une gestion de carrière ou bien une évolution de carrière vers des postes de directeur contrôle de gestion, contrôleur de gestion groupe, directeur financier, DAF, directeur de centre de profit, directeur de l'audit. On peut même avoir d'ailleurs, j'ai rencontré plusieurs directeurs généraux qui avaient comme expérience le contrôle de gestion. Contrôle de gestion commerciale, contrôle de gestion groupe, et enfin arriver au directeur général d'une boîte. J'ai mis ici un site web qui est très important et qui va vous donner beaucoup plus de détails sur le métier du contrôleur de gestion, et les différents d'autres aspects que j'ai pas évoqués ici sur cette vidéo. Reste à parler un peu des variabilités des activités. Donc, comme je vous ai dit, le poste varie en fonction de la taille d'entreprise, du secteur d'activité et du rattachement hiérarchique. Des fois, on peut être rattaché soit au directeur financier, soit au responsable contrôle de gestion, soit un directeur commercial, directeur production, directeur business unit, ou même le directeur général. Et pour les tailles de l'entreprise, c'est, je dirais que lorsqu'on travaille dans le cadre d'une PME, peut-être qu'on aura beaucoup plus de tâches et de missions à réaliser, alors que quand on est dans une boîte multinationale, c'est vraiment restreint, c'est vraiment spécifique et la charge de travail est un peu moins qu'au niveau des PME. Donc, je vous laisse ici avec quelques références que j'ai utilisées pour élaborer, pour vous projeter cette présentation. Et je vous remercie pour votre attention.